Mais l'exemple de civisme que les staffs et une centaine d'élèves du London College ont donné mardi 6 juin en marge de la Journée internationale de l'environnement. En effet, le recteur, les membres du staff et une centaine d'élèves ont déclenché une opération coup de balai dans les environs du collège à Port-Louis. En ce faisant, ils veulent envoyer un signal fort et clair au public en général. Comme on le dit si bien l'adage, il faut d'abord balayer devant sa porte. En bref, il nous faut une île Maurice propre et prospère. Monsieur Terry, est-ce que vous expliquez-moi un peu qui vous avez fait dans le chemin actuellement? Bon, nous, aujourd'hui, y a-t-il journée l'environnement? Et aujourd'hui, nous décidons qu'il nous vend une manzelle pour nettoyer le quartier. On m'a retrouvé pour lui, c'est un quartier pas aussi propre. Et nous vous avons montré nos enfants aussi qui sont capables de nettoyer côte d'autres aussi, mais propre et mettre un autre quartier environ de l'école aussi. Les profs et avec nos élèves ensemble, et malheureusement, nous n'avons pas qu'à faire 1300 élèves mais de haut, nous sélectionnons une centaine, nos représentants de notre classe et nos professeurs aussi, nous avons quatre coins de pour lui aujourd'hui pour nettoyer nos quartiers de l'environ du collège en l'homme. Oui. Sage aujourd'hui qui nous tue, nous faisons contribuer pour l'environnement, nous faisons garder nos quartiers propres, nos écoles propres et chacun capable d'amener ce bloc towards a better environment to live.